C'était au début des 45, quand un rescapé d'Auschwitz est venu au couvent et a raconté à Sœur Marie, qui s'occupait de nous, que mon père était décédé. Elle m'a appelé, elle me l'a dit, et elle m'a également cité les dernières paroles de mon père, d'être un bon juif. Et c'est comme ça que je sais que mon père est décédé à Auschwitz, 2 semaines environ avant la libération d'Auschwitz. Et pour ma mère, je n'ai absolument rien. Par exemple, au couvent, je priais tout le temps à Jésus. Je veux mes parents de retour, mais seulement que, comme catholique. Je ne les veux pas des juifs. Qu'ils ne reviennent pas s'ils sont encore juifs. Seulement catholiques, je les voulais. Et quand je pense à ça, quelle impression tout ça a fait sur moi à cet âge-là, hein, c'était... This is where our story begins, at Nirgalim Moshav, at the gateway to the Negev. These men and women, most of whom haven't seen each other for 50 years, share the same past. They were all hidden children, hidden in Belgium by parents who wanted to save them from the Nazi barbarities. Today, the only traces of them in our countries are to be found in the registers of resident aliens. Once they came out of hiding, after the war had ended, their names were entered in these books. These children, whether Polish, Hungarian, Czech, German, or simply stateless, lived under false names, were baptized, lost their identities in order to survive. With the liberation, the Jewish community did all in its power to find these now orphaned children who'd been placed with families or in convents.